La 8e édition du Grand Prix des Transports de l'Afrique de l'Ouest, GETAO, se tiendra du 26 au 27 novembre 2021, à Abidjan. L'annonce a été faite le 7 septembre 2021, à Abidjan Plateau, par le président du comité d'organisation, Auguste Dano. Mais avant, il a tenu à saluer les réformes entreprises par le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, Amadou Koné, pour rendre le secteur plus dynamique. Nous nous associons à tous les efforts fournis par le ministre des Transports pour insuffler une réforme structurante pertinente et opportune à travers des mesures de salubrité dans le secteur, a-t-il soutenu. Ces réformes, dira-t-il, visent à inscrire le système des transports en Côte d'Ivoire dans la modernité. Et cela, pour répondre aux exigences d'une mobilité facile, agréable et sécurisée en ce qui concerne les personnes et les biens. Ce fut l'occasion pour M. Dano d'annoncer que la thématique du panel qui va accompagner cette 8e édition va s'articuler autour du dynamisme de financement intégré et efficace de la sécurité, de la mobilité durable en Afrique de l'Ouest, modèles composantes et fonctionnement. Depuis 2010, le Grand Prix des Transports de l'Afrique de l'Ouest est organisé pour promouvoir la qualité des services et l'excellence à tous les niveaux dans ce secteur, aider à une dynamique de partage d'expertise et de réseautage d'affaires dans tous les sous-secteurs et leurs chaînes de valeur, et œuvrer à une meilleure visibilité de l'action gouvernementale en termes de politique de développement du système des transports dans toute la sous-région ouest africaine. À propos du panel, une dizaine d'experts sont attendus à Abidjan pour l'animer, le 26 novembre 2021. Selon M. Dano, la thématique retenue permettra de s'attaquer à la sécurité en amont. Et pour cause? Nous n'avons pas encore trouvé des solutions durables relatives aux infrastructures, au renouvellement du parc auto, à la formation, a souligné le président du comité d'organisation. A noter que ce sont 5 pays de la sous-région qui prendront part à ce Grand Prix prévu les entre 26 et 27 novembre 2021.